nous découvrons l'impressionnant, le majestueux et le colossal château de Chambord. Le château est situé dans la région naturelle de la Sologne, sur une courbe du Cosson, affluent de la Loire, à quelques kilomètres à l'est de Blois. Construit au cœur du plus grand parc forestier clos d'Europe, environ 50 km² ceint par un mur de 32 km de long, il s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monument historique. Le site a d'abord accueilli une motte féodale, ainsi que l'ancien château des comtes de Blois. L'origine du château actuel remonte au XVIe siècle et au règne du roi de France François Ier, qui supervise son édification à partir de 1519. En 1516, François Ier, roi de France depuis 1515, auréolé de sa victoire à Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire, à l'orée de la forêt giboyeuse de Chambord. Il s'agira d'un pavillon de chasse en toute simplicité, implanté au milieu des marécages. Initialement constitué d'un unique donjon central, le roi modifie son projet par l'adjonction de deux ailes latérales, dont l'une doit accueillir son logis. 1800 ouvriers travaillent à la construction du château, dont le plan évolue. Il est probable que l'escalier à double révolution, ou double vie, placé au centre de l'édifice, soit de Léonard de Vinci, ou en tout cas inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte deux volets d'escalier suivant un schéma de double hélice, à la manière des deux troncs enlacés qui représentent l'arbre de vie au Moyen Âge. Le donjon est achevé lorsque l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, grand rival du roi de France, est accueilli à Chambord par François Ier, en 1539. Le cortège est reçu par des balais et des jonchées de fleurs, dans un somptueux décor de tapisserie. Le deuxième étage est également remarquable par ses voûtes à caissons représentant les symboles royaux, monogrammes F, couronnés et salamandres. Certains monogrammes de l'escalier à hauteur des terrasses sont tracés à l'envers de manière à ce que Dieu du haut du ciel voit la puissance du roi. À l'intérieur du donjon, on trouve 5 niveaux habitables. Il y a 4 appartements carrés et 4 appartements dans les tours rondes par niveau. Entre les appartements, 4 couloirs venant des 4 parties du monde mènent à l'escalier à double révolution au centre. L'escalier donne accès à la grande terrasse, elle aussi inspirée par Léonard, qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Sur la terrasse, on peut remarquer que l'escalier est surmonté d'une tour lanterne, elle s'élève à 32 mètres et surmonte toutes les cheminées de Chambord. Son sommet est coiffé d'une fleur de lys, symbole de la monarchie française. Les terrasses sont encadrées de tourelles et de lucarnes parées de marqueterie de tuffeau et d'ardoise. L'aile royale à la pointe nord de l'enceinte du château est achevée en 1544. Une galerie extérieure portée sur des arcades et un escalier à vis sont ajoutés vers 1545, tandis que se poursuivent les travaux de l'aile symétrique, aile de la chapelle, et d'une enceinte basse, fermant au sud la cour, à la manière d'une forteresse médiévale, comme au château de Vincennes. Le roi François Ier, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et abandonnant le quart nord, installe ses appartements dans l'aile nord. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale, dont l'entrée ouvre plein est. Les travaux de l'aile de la chapelle se poursuivent sous le règne d'Henri II, mais ils sont interrompus par sa mort tragique en 1559. François Ier meurt en 1547. Le roi a finalement passé très peu de temps, 72 nuits au total, à Chambord. Henri III, puis Henri IV, n'y résident pas et n'y entreprennent pas de travaux. Il faudra attendre l'avènement de Louis XIV pour que soit achevé le projet de François Ier. Le roi Soleil comprend le symbole que représente Chambord, manifestation du pouvoir royal, dans la pierre et dans le temps. Nous poursuivons notre circuit en passant devant divers châteaux.
Un d'entre eux suscite notre curiosité par ses formes connues. C'est le château de Moulinsart, la propriété du capitaine Haddock de Tintin. Il s'agit en réalité du château de Cheverny. Pont-le-Voix est une petite commune dans le Loir et chère au milieu du Val de Loire. Au cœur du village se trouve une magnifique abbaye. Fondée 1034 par Galdouin, elle est soumise à la règle de Saint-Benoît. Les moines y accueillent les malades. Ils y éduquent aussi des enfants. Ruinée au cours de la guerre de Cent Ans, l'abbaye connaît un renouveau en 1644 et les moines ouvrent à nouveau le collège. Au XVIIIe siècle, Pont-le-Voix est rapidement considéré comme l'une des meilleures écoles préparatoires à l'école militaire. La Révolution supprime l'école militaire, mais laisse le collège sous la direction d'un bénédictin sécularisé.